première demi-finale. Et donc un Link d'un côté, un personnage classique, avec un autre personnage qui revient spécialement pour l'occasion. Snake, bien sûr, dans la saga Metal Gear Solid. Ça va être un match-up explosif. Il va y avoir des grenades, des lance-missiles, des boomerangs. En fait, Link, c'est un peu le Snake du passé, si tu veux. Bon, le côté espion en moins. Mais en tout cas, au niveau arsenal, on lance des trucs à l'adversaire. C'est un peu ça. Après, la différence, bon, Snake, il utilise ses potes plutôt que son épée. Mais bon. En tout cas, ça va être assez impressionnant. Pour le moment, Otakonic a un très bon contrôle sur le terrain, comme on le voit justement avec tous ses projectiles. Il est là, son boomerang, ça rebondit. Attention, la grenade qui arrive, boum. Ça va permettre à Yas de gagner un petit peu de terrain ici. Ça n'ira pas plus loin malheureusement. La grenade. Voilà, ça va être de la prise de contrôle. Hein. Énormément de contrôle de territoire. Joli ça. Attention, la mine qui est posée sur le sol. Si Link se rapproche un peu trop près du centre, il la fera péter. Sans hésiter. Et là on voit des grenades. En veux-tu, en voilà. Une en haut, une en bas. Et il couvre avec ses deux potes vers le haut. Voilà, on en parlait. La mine il marche dessus. Clic. Le Link, il saute. Attention, la grenade qui était là pour couvrir. On voit qu'Otakuni est un peu perdu hein, dans le match-up, dans l'affrontement face à Snake. On voit qu'il a pas trop l'habitude. En tout cas, la balle smash, elle est là. Elle est toujours là. On l'oubliera jamais. Maintenant, reste à savoir qui l'obtiendra. Joli tilt avant de la part de Yas. Tilt haut pour récupérer cette balle smash. Et là, c'est parti. Alors, malheureusement, je vois qu'ils veulent pas s'en servir, mais les missiles vont aller sur Link. Et du coup, ça va prendre la vie. Le principe de Snake, c'est maintenant dans ce Final Smash, c'est viser l'adversaire. Une fois qu'il a locké l'adversaire, les missiles sont téléguidés sur les cibles ciblées. Ça aurait pu être en 1v1, donc là forcément il y a une cible. À plusieurs, il va devoir passer sur tous les personnages pour les viser. En tout cas, les Yas ici qui malheureusement pose une mine, saute et la fait détonner sur lui, perdant sa stock tout seul. 2-2, comme l'a indiqué l'écran. Qui résume les scores. Et la grenade face à bombe détonante. Ça reste loin, ça reste loin. L'avant, il y a dans les airs de Snake qui ne passera pas. Link qui a de nouveau le contrôle du centre. Ça va être important. Avoir le sol, c'est très important dans ce jeu vidéo. Ça force l'adversaire à devoir sauter, à devoir jouer sur les plateformes. Et vous, vous êtes en dessous, vous êtes bien sous vos plateformes. Vous pouvez du coup mettre des petits coups cachés comme ça. C'est très important comme position. Du coup, en tout cas, Snake qui s'écarte un peu. Les grenades qui est lancée, ça force le bouclier. Là encore une fois, il y en a une au centre, une autre qui est lancée, attention, ça explose vers le haut, il se rapproche, mais l'explosion de la bombe de Link fait très peur car très grosse. Ah, les deux se balancent des bombes au visage. Grenade pour grenade, il y en a une qui est posée, le tilt avant qui repousse en dehors du terrain, la grenade qui est là, qui tombe, le smasho, attention, ça a retombé. Et Otakoni qui prend les distances, grenade, on balance, ça force le bouclier, dash attack pour se glisser sous l'explosion et sortir sur le Link. Link est pour le moment en dehors du terrain, encore une fois, ça peut être Snake en dehors du terrain. Coincé au bord, le jab, simple coup A sans direction pour repousser l'adversaire. Attention à l'invincibilité, le stage spike, le rebond sur le stage de la part de Takuni, très propre. Lorsque vous prenez le bord, une fois vous êtes invincible, si vous le relâchez et le reprenez, vous n'êtes plus invincible. C'est ce qui s'est passé. Otakuni l'a vu. Il s'est jeté son adversaire pour le faire rebondir. Lâche la balle smash. Je suis déjà bien trop en avance. Le smash qui est tiré. Tout est protégé. C'est bien vu. On essaye. Otakuni qui obtient le final smash. Malheureusement, ça ne touchera pas l'adversaire. Yas sur sa dernière stock. On rappelle, c'est un match gagnant. Pas deux, mais bien un. Il va devoir résister le plus possible. Essayer de se battre. Remonter son adversaire. La grenade qui passe. Le Ouya dans les airs. Qui malheureusement ne touchera pas l'adversaire. Joli la défense, on revient vers le centre. On est là, on défend, attention, on vient au centre. La grenade qui est mise, les flèches qui maintiennent l'adversaire au loin, la bombe, joli bouclier. C'est compliqué, c'est compliqué. Otakuni qui a un contrôle fou. Yas qui n'arrive pas à y mettre un coup. Malheureusement, la grenade, il se la prend, il survit, cela dit. Mais ça permet à Yas de gagner un peu plus de temps. Oh, c'est un voyage dans les airs qui a failli être fatal. Et le tilt pour amener Link dans les airs, une stock partout. Mais déjà 85% de retard pour Yas. Si Otakuni continue à mener son jeu, c'est bien possible qu'on le revoie comme hier en finale. Le bon bouclier, mais il catch au sort Otakuni. Très belle lecture, hein, très belle lecture. Un coup de smash avant dans le bouclier, petite attente. Il va sauter pour s'enfuir, il saute, il catch le saut. En tout cas, Otakuni.